Alors, grâce à Monsieur Albert Dubois du site Albertrain, nous allons montrer ici comment commuter un aiguillage en utilisant deux méthodes différentes. Donc, nous avons ici un aiguillage triple avec deux moteurs Rocco. Donc, chacun des aiguillages ici est connecté au domino qui est là et du domino par deux fils. Donc, une partie qui va sur un décodeur d'accessoires LS150 de chez Lens et un autre qui vient sur le boîtier interrupteur Rocco. Donc nous allons maintenant faire la démonstration par le boîtier Rocco. Donc nous voyons effectivement le premier moteur qui bascule le premier aiguillage, le deuxième moteur qui bascule le deuxième aiguillage. Donc nous allons faire exactement la même chose en utilisant la commande LH100. Donc les deux moteurs sont respectivement aux adresses 1 et 2 ici. Donc nous allons aller SW1 et nous allons voir que on va basculer avec plus et moins l'aiguillage. Ah, donc maintenant nous allons aller sur l'adresse 2. Nous allons pouvoir basculer le deuxième. Et nous pouvons reprendre également la même chose de nouveau sur le boîtier Rocco.